tiens bon. Une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. S. O. E. Sœur ? Demande-lui la sœur de qui ? Josh, ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors ? Go ! Ah la vache ! Vache ! Bien. À l'aide. Jessica!
Merde. La voilà. Quoi? Allez, 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 saloperie. On s'en fait y arriver. Ashley! Chris! Ash, je suis là! T'es où? J'en sais. Chris! T'es là? Bonjour. Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous avons une petite expérience. Comme un test. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets, Joshua et Ashley. Mais nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet vivra et lequel mourra. Non, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Ah non, pitié, ça peut pas merde, être... Merde, non. C'est pas vrai, non, c'est okay. Pas juste. Ok, tout va bien se passer. Oh, merde. Merde. Hé hey, mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse merde. À ça une minute. Chris, je veux pas mourir. Juste une seconde, j'y arrive pas. Merde. Ah. Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir! Non! Pitié, non! Ah non, Chris! Tu as choisi de sauver Ashley. Non, on était amis, merde! Je suis désolé! C'était délire! Non! Arrêtez! Faites pas ça! Non, regarde pas, je t'en prie. Pourquoi je dois pas, Chris? Je t'en prie, dis-moi qui va bien. J'arrive, Ash, je vais te faire descendre. Chut, arrête. Allez, tu vas descendre, non. Allez, il faut te sortir d'ici. Non. On doit partir, ok? Chris! Ashley! Sans...
sang de qui? Est-ce que ça va? Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Josh, quoi? Dieu. Il est mort! Quoi? Devant nous, putain! Mais de quoi tu parles? Il y a un cinglé! Un cinglé? Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il y a un cinglé! Qu'est-ce qui... C'était lui, moi, je savais pas quoi c'est faire! Vrai. On a traversé ce giglet, il saignait de partout! Quoi? Mais c'est pas vrai, Chris! Je l'ai tué! Oh wow. Non! Je l'ai tué! C'était ma faute! Non, c'est un truc de dingue! Il faut qu'on aille chercher de l'aide! Il a été coupé en deux! On va découvrir ce qui s'est passé! J'en sais rien, j'en sais rien! Matt, on doit y aller maintenant! J'en sais rien! Chris, elle a raison! On sait pas qui sera le suivant, alors on doit filer. Ouais, c'est la seule chose à faire. On cherche de l'aide. Non, tu veux juste sauver ta peau. Non, je veux juste pas prendre de décisions foireuses qui feront tuer tout le monde. Tu rassembles les autres si tu veux, moi, je vais chercher de l'aide. Avec Matt, ok? Ok. Bonjour. La tension a monté d'un cran, n'est-ce pas? La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espériez? Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive? J'essaie de vous aider. Ce jeu auquel vous jouez, vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien? Il ne fait de bien à personne. Et je ne vous trouve pas particulièrement loyal dans votre façon de jouer. Et croyez-vous que moi, je suis bien réel? Ah, c'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question. Arrivez-vous encore à faire la différence? J'en doute. Feel this way forever. I'm Tyrone Jackson.